On va procéder à une pesée pour voir un peu ce qui apparaît sur la balance, quelles sont les indications qu'elle donne. Donc je monte dessus. Alors la balance, elle me reconnaît parce que je me suis déjà enregistrée, j'ai déjà rentré mon profil. Et lorsque je monte dessus, par rapport au poids qui est enregistré, elle sait que c'est moi. C'est là qu'elle va pouvoir faire un comparatif. Voilà, donc là, elle donne mon poids. Et ensuite, on voit qu'il y a l'impédance mètre qui se met en route et on a des indications. Alors, ça va assez vite, mais heureusement, ça recommence une fois que ça arrive au bout. Donc, on va pouvoir prendre le temps de détailler. Alors, je voulais attendre que ça passe pour arriver au bout. Donc, les premières indications, ça va être le poids, ça va être l'indice de masse corporelle. Et à chaque fois, elle nous donne la différence par rapport à la dernière pesée, si c'est en plus ou en moins. Donc là, ça va recommencer. Donc, mon poids, on voit que, il est stable. Bon, j'ai même perdu un petit peu. L'indice de masse corporelle qui était en orange, c'est-à-dire surpoids. Là, vous avez la masse graisseuse, j'ai perdu un petit peu. Ça, c'est la masse hydrique, c'est-à-dire le taux de d'eau dans le corps. J'ai un peu plus d'eau que la dernière pesée. Ça, c'est la masse musculaire, on reconnaît bien au petit symbole. Donc, j'ai gagné un petit peu de muscle. Et ça, c'est le poids des os. Ça, logiquement, ça ne devrait pas bouger. Voilà, et ça recommence. Le poids, donc avec la différence par rapport à la fois d'avant, l'indice de masse corporelle, la masse graisseuse, toujours en pourcentage, et ensuite la différence par rapport à la dernière pesée, la masse hydrique. Ensuite, ça sera la masse musculaire. Voilà. Et va apparaître le poids des os. Donc voilà, cette balance, elle donne tout plein d'indications qui sont utiles dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire pour qu'on sache un petit peu sur quoi il faut travailler. On a perdu du poids. Qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu du muscle, on a perdu de la graisse. Pareil, lorsqu'on a grossi, est-ce qu'on a grossi parce que on a pris de la graisse ou parce qu'on a fait du sport et qu'on a pris du muscle? Donc tout ça, c'est intéressant à savoir. Et cette balance nous donne toutes les informations nécessaires.